En ce 17 mars, nous faisons mémoire de notre Saint Patrick. Patrick, jeune Gallois d'une famille chrétienne, à 16 ans est enlevé par des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Il y passe 6 ans, puis s'enfuit et retrouve ses parents. Après un séjour en France où il est consacré évêque, il se sent appelé à revenir dans cette Irlande de sa servitude pour l'évangéliser. Il y débarque en 432 et multiplie prédications et conversions dans une population dont par force il connaît bien les coutumes et la langue. Lorsque meurt Patrick à Armagh, l'Irlande est chrétienne sans avoir compté un seul martyr et les monastères y sont très nombreux. Saint Patrick a traversé les siècles et depuis de nombreuses années, il veille sur nous, sur nos familles, sur notre communauté ici à l'île Maurice, à Rosyle plus précisément. Tu m'as en toi, tout est bien dans moi.